Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, bah, il faut que je prépare ma rotative pour pouvoir semer les tournesols. Alors, je ne suis pas fou, je l'ai mis sur le télescopique, non pas pour passer la rotative, mais pour la réparer. J'ai un problème, il me manque deux dents ici en dessous. Donc, il y a une dent qui est partie de son porte-dents qui a dû se dévisser et un porte-dents qui est cassé. Donc, il faut que je répare ça. Donc là, je l'ai mis sur le télescopique pour pouvoir la ramener à l'atelier. Et avant ça, on va aller chercher un porte-dents. Alors j'ai de la chance puisque j'ai une vieille rotative pour pièces qui traîne là-haut dans les ronces que j'ai gardée depuis un bout de temps. Et donc sur cette rotative, je vais la prendre. Je vais la prendre comme donneuse de pièces. Donc regardez. Alors cette rotative, il y a très longtemps, elle avait eu un souci. Ici, elle avait pété et ça avait bouffé le carter. Donc vous voyez, il y a tout le carter qui est percé parce que ça s'est complètement mis en javel là-dedans. Donc cette rotative était fichue. On l'a changée et on a racheté exactement la même. Et donc elle reste comme donneuse et les porte-dents sont plutôt en bon état. Donc là, tout à l'heure, j'ai dévissé le boulon qui avait ici, qui tient le porte-dents. Et maintenant, on va essayer d'extraire le porte-dents. Donc le boulon était vraiment très serré. Là, je vois que ça, c'est juste... Hop! C'était vraiment très serré. Bon, je pense qu'il y avait de la pâte aussi, enfin de la colle là-dessus. Et maintenant, il faut qu'on sorte tout ça. Allez, on va essayer au pied de biche. Et bah parfait, c'est super bien sorti. Bon bah maintenant on va aller de l'autre côté, enfin on va aller à l'atelier avec la rotative et le porte-dents et changer tout ça. Bon allez, on va emmener ça à l'atelier. Donc voilà, on est arrivé au hangar et là on voit beaucoup mieux. Donc là on voit bien que le porte-dents est cassé. Donc il va falloir qu'on dévisse ici le boulon et qu'on sorte toute cette partie-là. Et sur celle de l'à côté, le porte-dents il n'a pas l'air cassé. C'est juste les deux boulons qui se sont défaits. Bon, ça l'a un petit peu mangé, mais ça va. Donc, à refaire pour pas reperdre, pour que ça fasse du bon boulot. Allez, on va essayer de voir si le boulon est encore attrapable. Ça va tourner. Stop, stop.
Celle-ci, elle a beaucoup mieux. Ouais. Bon bah parfait, j'ai réussi à le défaire. Alors c'était sportif parce que le boulon était un petit peu ovalisé, donc fallait réussir à bien le prendre. Et étonnamment, au début j'étais avec la douille, une douille Facom, et c'est la douille Cramp qui doit être un petit peu plus neuve, qui a mieux été. Donc elle tenait mieux. Donc des fois il faut changer de clé quand ça va pas, et une autre clé fonctionne des fois mieux. Donc là on l'a enlevé, on va pouvoir démonter la dent, et puis voir comment la remettre pour qu'elle ne pose plus de problème. Alors petit problème, les boulons de l'ancienne de l'ancienne tête, alors c'est pas les bonnes dents, elles sont du mauvais côté, donc là j'en ai deux bonnes du bon côté qu'on va remettre, et puis pour l'autre côté j'en ai une neuve, donc faut les changer, et elles sont super serrées, là j'ai vraiment eu du mal, donc j'ai essayé au sol, ça marchait pas, là on va essayer comme ça. Donc je l'ai coincé là dans la barre, et puis avec un grand tube, et puis il faut que ça sorte. Je sais pas qui est-ce qui avait serré ça, mais il était costaud. Bon, ça y est. Encore un qui est encore bien serré. On va y arriver. Donc là, j'ai commencé à remonter cette partie-là. Donc je lui ai mis un écart parce que bien évidemment, les autres tournent et il faut pas que les autres dents tapent dedans. Donc là, normalement, on devrait être pas trop mal. Elles peuvent pas se taper l'une contre l'autre, donc il y a toujours une petite variation, et donc il y a des dents qui tournent dans un sens et d'autres dans l'autre pour justement faire le mouvement. Donc là on va remettre la rondelle et la vis, resserrer tout ça, et puis poser les trois dents. Donc là je mets un petit peu de Loctite dessus pour c'est un frein filet pour empêcher justement que ça se desserre, et c'est pour ça qu'elles étaient si dures à desserrer. Mais il faut pas que ça se desserre au travail. L'idéal serait que tu me trouves une clé de 24 plate. Alors là, elle y est pas, c'est dans la voiture. Ah merde. Tiens. Elle se touche. Oh. Merde.
Donc là, ça va pas du tout. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait une erreur. Là, elle se touche. Donc il faut que je redécale tout le porte. Bon ben voilà, c'est terminé. Donc là, les dents sont réparées. J'ai recontrôlé, pas d'autres problèmes sur les autres dents. Ça s'est plutôt bien fait et c'est quand même pratique de pouvoir se mettre comme ça avec le télescopique, de ne pas avoir le tracteur juste derrière. Sinon, on doit être sous le rouleau. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un des avantages du télesco. Alors, je mets quand même une chandelle en sécurité parce que c'est vrai que même si c'est un engin de levage, il vaut mieux avoir deux sécurités qu'une. Alors, il me reste à mettre un petit coup de graisse sur le cardan. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner bien sûr à la chaîne. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Et puis j'ai oublié de remercier mon assistant Charlie, mais il m'a vachement aidé sur ce petit projet. Bon allez, à bientôt.